Excellences, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue, ladies and gentlemen, excellencies. Thank you for joining us here in the middays in Tangier. I just want to say a very simple thing. I'm really glad to be back to Tangier and to meet all of you together here in person. Wonderful to be in the same room here in this wonderful city. Je voudrais remercier Son Excellence, le docteur Georges Weah, de sa présence aujourd'hui, et je voudrais vous demander de l'acclamer comme il se doit. C'est toujours un temps fort pour Tanger, mais aussi pour notre pays et pour le continent, de nous rencontrer ici pour pouvoir avoir un dialogue où les gens du Sud échangent entre eux, font face aux différents défis, réfléchissent paisiblement, innovent et créent des liens qui nous permettent de construire ensemble le futur. Les crises sont nombreuses et on le sait. Elles ont différentes formes et on le vit, mais on doit faire avec. Et nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de ces Middays pour les 4 jours de travail pendant lesquels nous allons nous retrouver évidemment ensemble. Nous aurons le plaisir et l'occasion de partager des idées, d'apprendre les uns des autres. Et nous avons un panel d'intervenants qui démarre ce soir, qui sera là pendant les 3 jours à venir, extrêmement passionnant. Je voudrais, mesdames et messieurs, sans plus tarder, au-delà du plaisir que j'ai à vous retrouver depuis tant d'années et après cette période Covid qui nous a privés d'être ensemble dans la même salle, je voudrais proposer de commencer nos travaux en permettant au président de l'Institut Amadeus, organisateur des Middays, de pouvoir présenter son allocution. Président Brahim Fassifiri. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur le Président, Docteur Georges Weah. Excellence, Monsieur le Président Diokonda Traoré. Excellence, Messieurs les Premiers ministres. Excellence, Messieurs les ministres des Affaires étrangères. Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres. Excellence, très chers amis. Je suis plus qu'heureux et probablement plus que jamais d'ouvrir officiellement ce 14e Forum Middays et de vous accueillir une nouvelle fois, 3 ans après notre dernière édition ici à Tanger en présentiel. Donc physiquement, pour vous partager toute la chaleur et l'hospitalité du Royaume du Maroc. Ces 2 dernières années, l'Institut Amadeus a poursuivi sans relâche son effort de réflexion et de publication, a maintenu un lien avec vous à travers nos webinaires, malheureusement à distance, et nos débats en ligne. Nous avons consulté, nous avons interrogé. Nous avons poursuivi nos contacts, certes, mais sans la chaleur de votre présence. Et ce besoin de proximité dont parlait mon cher ami Tchemi, on en a ardemment besoin. Rien ne saurait en effet remplacer ces interactions humaines pour faire progresser nos idées et notre démarche ouverte de coopération. Les équipes de l'Institut Amadeus se sont une nouvelle fois démenées pour vous réunir ici, et je me réjouis tout particulièrement que vous soyez plus de la moitié des intervenants à n'être encore jamais venus au Middays à l'occasion d'une précédente édition de ce forum. Nous comptons donc sur de véritables fidèles parmi les fidèles et nous enrichissons continuellement le forum de nouvelles figures. Plus de 200 intervenants cette année, décideurs politiques ou économiques rassemblés dans ce panel d'ouverture, spécialistes et plus de 5 000 participants
sont attendus ces 4 prochains jours à Tanger. Vous êtes venus du monde entier. Nous dépassons pour la première fois le nombre de 100 pays représentés. Représentants de la société civile ou institutionnelle pour discuter des thématiques et des événements qui recomposent actuellement l'ordre mondial. Mesdames et messieurs, MEDEIS est avant tout le Forum du Sud, un forum pour les Africains, par les Africains. Et c'est à travers ce prisme que nous devons regarder le monde qui vient. Que s'est-il passé depuis ces 2 dernières années, depuis la dernière édition du Forum MEDEIS? D'abord, une crise sanitaire, doublée d'un choc économique, qui ont tous les deux secoué à la fois nos économies, mais les différents paradigmes qui étaient les nôtres. Ces chocs nous ont fait ressentir notre dépendance aux mobilités internationales, aux grands centres décisionnaires économiques mondiaux, mais aussi à l'accès des technologies de base, pourtant vitales, comme celle de la production de vaccins et produits pharmaceutiques. La prise de conscience a été globale. Toutefois, certaines leçons de cette pandémie sont spécifiques à l'Afrique. Et nous devons nous organiser, organiser nos chaînes de valeur, nos industries de transformation, de façon à ce que les pays africains produisent sur le continent les produits les plus essentiels à nos populations. La notion de souveraineté stratégique est désormais revisitée par tous nos partenaires, qu'ils soient asiatiques, européens ou américains. Elle doit être également revisitée par nous-mêmes, Africains, et pour nous-mêmes, Africains, au bénéfice des populations de notre continent. Nous pouvons le faire dans un contexte de coopération africaine. Depuis 3 ans, donc, ces différentes crises qui nous secouent, on a découvert, malheureusement, une nouvelle crise qui s'ajoute à cet enchaînement sans précédent de crises qui s'additionnent aux crises, la guerre en Ukraine. Le conflit paralyse gravement les institutions multilatérales de paix et de sécurité et perturbe les échanges mondiaux concernant les matières premières qui nous sont essentielles, telles que les céréales et le gaz. Ces crises multiples dérèglent le cours d'une internationalisation des échanges que beaucoup pensaient inéluctable. Cette guerre détourne aussi l'attention du monde des problèmes auxquels les pays du Sud doivent faire face. La question du développement, évidemment, et celle du changement climatique, dont les effets se font chaque année un peu plus ressentir, y compris ici, où traditionnellement, pendant le Forum MEDEIS, Tanger est une ville où il pleut beaucoup au mois de novembre, et nous sommes tous un peu perturbés par le climat qui, certes, positif pour la centaine d'invités qui participent au forum, mais aujourd'hui, ce changement climatique doit évidemment nous interpeller plus que jamais. Les pays africains, plus que nous, nul autre, ont besoin d'avoir des garanties de la communauté internationale. Nous sommes les pays de la première ligne sur la question du climat. Et nous devons poser cette problématique au centre des prochains échanges de la COP27 qui se tient à Sharm el-Cheikh à partir de lundi prochain. La guerre en Ukraine pose enfin la question des principes sur lesquels nous voulons faire reposer notre ordre international. Disons-le très clairement, sans des principes clairs, nous ne saurons pas bâtir la confiance entre les acteurs étatiques. Et parmi ces principes, nous devons poser au premier rang l'intégrité territoriale. À quelques jours de notre fête nationale célébrant la glorieuse marche verte, nous, Marocains, apportons cette conviction claire dans l'enceinte internationale. Les pays africains, il en est ainsi du Royaume du Maroc, guidé par la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, ont choisi d'agir en responsabilité, de tendre la main entre frères du continent pour construire une Union africaine plus forte. Le Maroc prend toute sa place dans cette dynamique et le Forum MEDEIS a toujours souhaité contribuer à cet élan et le renforcer
par ses contributions. Excellences, mesdames et messieurs, je souhaiterais évidemment conclure mes propos en remerciant humblement, en votre nom et au nom de l'équipe de l'Institut Amadeus, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, d'avoir une nouvelle fois honoré l'événement MedDays de son haut patronage et de son constant soutien. Je remercie également nos sponsors, nos partenaires pour leur confiance, les autorités locales, régions, villes, wilaya, et toutes les personnes mobilisées, Agence du Nord, comme toutes les années, pour la tenue dans les meilleures conditions de ce forum. Je ne serai pas plus long, car il me revient désormais l'honneur de vous introduire un homme d'action, un dirigeant politique responsable et éclairé, qui incarne à bien des égards la résilience et la trajectoire d'une Afrique dans laquelle nous ne cessons d'espérer. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'applaudir Son Excellence, le docteur Georges Weah, président de la République d'un pays frère, le Libéria. Son Excellence, le président docteur Weah, a connu un parcours hors norme. Issu d'une famille modeste, d'un quartier populaire, il incarne par son parcours, sa trajectoire, son travail, à la fois un destin individuel et une grande conscience sociale et populaire au service de ses concitoyens. Plus jeune, et évidemment en tant que fan de football, j'en faisais évidemment partie, c'est partie de ceux qui ont admiré ses exploits sportifs, sa capacité à faire briller tout un pays, tout un continent avec lui, et le mettre et les mettre au devant de la scène internationale. Mais son engagement social et politique au contact des réalités sociales, agricoles, économiques de son pays est, je crois, un motif encore supérieur d'admiration. C'est aussi, à travers cette tribune, l'occasion de remercier ici l'engagement du Libéria aux côtés du Maroc, et notamment le geste fraternel fort de l'ouverture d'un consulat général du Libéria dans la ville de Dakhla en mars 2020. Je vous demande donc, même si vous venez de le faire, d'applaudir une nouvelle fois, très chaleureusement, Son Excellence, le docteur Georges Weah. Et je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour votre présence en nombre ici à Tanger pour cette 14e édition. Si évidemment le Forum MedDays a manqué à l'Institut Amadeus et à ses équipes, c'est la démonstration que ce forum a manqué à la communauté de ses speakers, de ses intervenants, de ses participants, et je m'en réjouis. Merci encore. Merci, cher président Brahim Fassi-Ferry.